Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le Grand Prix du Canada 2002 sur toujours le même jeu évidemment, Grand Prix Challenge. Alors on va voir les réglages de la voiture tout d'abord hein, parce que le circuit est un petit peu différent de celui de Monaco quand même. Appui aéron, on va rester en moyen, sachant que le circuit est assez rapide, mais il y a quand même quelques petites courbes serrées. Rapport de boîte de vitesse, on va être en moyen aussi. En fait, on va tout en moyen, je pense. Je pense que ça va très bien. Préparation de freinage, on va garder au minimum, enfin au minimum, plutôt vers l'avant. On va faire OK. Confirmer. Et on va faire du coup la qualification. Alors, réfléchissons. Je fais un peu le son de mon côté. Alors, sortie descente, c'est parti. Alors par contre cette fois-ci je pense que je vais pouvoir mettre en x2. Ouais du coup ça sera mieux, c'est parti. Ouais, il y a quand même quelques pertes hein, là, regardez. On va arriver au point de virage. Bon, si je vois que c'est trop compliqué pour avoir le framerate, on passera en x1. De toute façon vous connaissez le deal maintenant. Sur ce jeu, ça sera pas parfait. Allez, la chicane en descente. Verstappen ici c'était bien planté en 2000 à droite. D'ailleurs plein de pilotes se sont plantés hein, dans l'histoire. Là on a l'accident Stroll... Comment il s'appelait? Brandon Hartley. Seconde chicane. Et boum, et voilà, ça commence bien. Heureusement que c'était mon tour juste lancé. Faire une petite marche arrière. Alors j'hésitais à vous faire la voix du Québécois, hein. Enfin, la voix française du Québécois qui imite le Québécois, c'est-à-dire la voix dégueulasse, la voix qui fait que les Québécois nous haïssent. ouais, elle tourne pas spécialement bien. Par contre, ouais, le circuit a beau être beaucoup moins chargé que Monaco. Il est quand même assez compliqué à gérer au niveau de la framerate. Allez, la grande chicane, la fameuse chicane avec le bienvenu au Québec. Il n'apparaît pas, il n'y a même pas le vibreur sur la droite, c'est assez bizarre. Alors par contre ce qui est sûr, c'est que je vais repasser en x1 parce que j'ai trop de pertes de framerate. Donc c'est parti, on continue. Voilà, en x1, tant pis, mais au moins, on aura moins de problèmes. Il y a des jeux de PS2 qui sont beaucoup plus sensibles à l'upscaling par rapport à d'autres. Typiquement, un Gran Turismo, je pourrais le mettre en x10, ça passe. Enfin, en 10K, on va dire. Allez, la chicane. Oh, attention. Alors, il y a quelqu'un d'entre vous qui m'a soumis l'idée de faire une série sur, sur la fin 2004. Je le note, hein, bien sûr. Alors, je vous dis pas quand je la ferai, mais potentiellement, je la ferai sûrement même un jour. De toute façon, à terme, beaucoup de jeux sont. Comme je dis, tous les jeux sont voués quasiment à terme à être faits en série. Hein. Après, il y a des jeux qui vaudront quand même plus ou moins le coup. Fin 2004 étant un des premiers qui relance un petit peu la série des Formula One, je pense que je vais lui donner sa chance. Par contre, j'hésite beaucoup sur le 2002, le 2003. Allez, le premier tour, on a fait déjà le meilleur chrono. une 16-9, donc ça se passe super bien. Voir si on peut améliorer dans ce tour-là. Waouh, aïe aïe aïe, cette chicane, elle est pas facile, hein, mine de rien, parce que le vibreur nous envoie assez vite dans le dégât.
Et là, l'épingle. Où Mansell a abandonné à la réaccélération dans le dernier tour, ce qui a permis à Piquet de remporter la course en 91, il me semble, sur la Benetton. Je dis pas de bêtises. Et la chicane, je pense qu'on va faire un meilleur temps encore. 16, 17, 18, 19. Ah non, c'était pas un bon temps. Bon ben voilà, écoutez, on va rester avec ce temps de 1:19.604. On va retourner au stand. On va faire voir session. On va avoir des McNish un peu. On va avoir des salauds. Je monte un petit peu les autres voitures, tant qu'à faire. Parce qu'on les voit pas souvent. Elle a un beau reflet là, la McLaren. Bon allez, on fait retour en fin de session. Et on va voir du coup le classement de la qualification. Et c'est Schumacher qui va prendre la pole pour 3 dixièmes devant nous-mêmes. Pablo Montoya partira 3ème, 4ème Ralf Schumacher, 5ème Rubens Barrichello, 6ème Kimi Raikkonen, 7ème Dave Coulthard, 8ème Yano Trulli, 9ème Felipe Massa, 10ème Jenson Button. Donc là la 10ème place on a Giancarlo Fisichella, 11ème Mika Häkkinen, 12 Nick Heidfeld, 13, 14, Jacques Villeneuve, 15, Alan McNish, Eddie Irvine, 16, Sato, 17, 18, Olivier Panis, 19, Heinz-Harald Frentzen, et enfin De La Rosa, Weber et Alex Jung. Il me semble qu'Alex Jung, il s'est déjà jarté en milieu de saison. Hein. Enfin, je sais pas si c'est à partir de là, mais ça va pas tarder. Et donc c'est parti pour la course. On va partir bien sûr entendre. Bon, attention au départ, hein, c'est toujours très compliqué de mieux partir qu'eux, voire quasiment impossible. Les feux s'allument. C'est parti. Oh, alors là j'ai complètement... j'ai stall, hein, je suis parti après le signal. Heureusement que le circuit est étroit. Parce que j'ai vraiment... j'ai vraiment pu boucher derrière moi. Et sinon je me faisais au moins prendre 4 places. Hein. Allez, on est lancé 10 tours comme d'habitude à faire sur ce Grand Prix du Canada. On est 3ème. Et devant, Montoya nous a dépassé. Attends, il était sur l'autre côté de la ligne, c'est logique. Ça revient déjà sur moi avec Ralf Schumacher. Il commence déjà à s'éloigner devant, c'est... La chicane va négocier. J'essaie d'accélérer plus tôt. Le problème c'est que je lui ai donné l'aspiration, vous voyez derrière. La longue ligne droite avant la chicane. La ligne droite qu'on appellera la ligne droite I don't want de Alonso. Vous voulez pas rentrer. On parle de la saison 2016 il me semble. Chez McLaren 2015. Alors on a un rythme bon, hein, c'est-à-dire qu'on reste vraiment entre le deuxième et quatrième, par contre est-ce que je peux augmenter mon rythme ? Que je peux augmenter, on l'a vu à Monaco, on avait pu enchaîner jusqu'à faire des temps très bons. Ah, là je reviens déjà sur la Williams. Ah, ils ont tendance à être très très rapides au premier tour et après ça flanche un peu. L'extérieur, ouais, on va essayer d'accélérer plus tôt. Oh les, je vais réussir à dépasser la Williams. Oh bah, on s'est touché. Ah, je l'ai même pas vu, j'avais aucune manière de le voir sur l'extérieur. Ah non mais là il va me doubler, ouais, c'est logique. On va se recaler derrière. Je vous coupe le freinage à l'accélération peut-être, non. Ah, il a une meilleure vitesse. Et les Néerlandais avec leur fumigène. Oups. Oh la vache.
Ouh là, le muret qui m'a fait super peur. J'ai cru qu'on allait s'emplâtrer dedans. Vraiment, je voyais des espaces entre le mur. Et je me suis dit, la voiture, elle va s'enfoncer dedans à la net, quoi. Enfin, elle va s'arrêter de 300 à 0. Finalement, ça a glissé. Mais ça fait dramatique. Alors derrière, il y a une Ferrari, je pense, qui a doublé. Parce que je vois une voiture rouge. Ouais, c'est ça. On va essayer de revenir sur Montoya. Je crois qu'en 2002, c'est... Alors 2001, normalement, c'est... Je crois que c'est Williams qui gagne. En 2002 aussi. Ou l'inverse. Donc c'est les saisons... Je m'en souviens pas trop au fur et à mesure. Parce que 2002, en plus, comme expliqué, c'est l'une des pires saisons de F1 pour le championnat. Du coup, j'étais un petit peu énervé à cette époque. Étant donné que j'étais pour acquis en 2001, il se passait rien. Et en 2002, bah, il restait plus pour grand monde, à part Raikkonen qui passait chez McLaren. C'était un peu une année sans pour moi. Alors ça, j'étais pour Rose. Donc on va potentiel ce qu'elle va devenir en cours de saison. Le cours de freinage. Le freinage, vraiment, il freine vraiment fort. Hein. Du coup, il faudrait réussir à le piquer au freinage avant la chicane. Et alors pour ça, il faut vraiment que j'ai l'aspiration. Il faut vraiment que je ressorte beaucoup plus vite que lui. Putain, c'est pareil là. Oh la vache. Oh, à l'extérieur peut-être. Eh ouais, non, c'est compliqué. Moi je peux pas le dépasser partout. Et là je peux pas t'accélérer mieux. Oh là 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 là. Au freinage maintenant. Ouh. Oh le beau dépassement. Ah je suis content. Un dépassement assez propre en plus. Le problème c'est que maintenant il va. Voilà, j'essaie de pas lui donner l'aspiration. Je suis obligé de freiner le plus tard possible. Du coup j'ai pas de relance pour la suite. Il va revenir. Ouais, bonne accélération. Ce que je cherchais à avoir tout à l'heure pour le doubler. Je le redis, hein, je reste impressionné par le niveau de détail quand même dans le jeu. Regardez à droite, à gauche, pardon, tous les immeubles réalisés en 3 dimensions. Enfin, ils ont vraiment fait la ville à côté, quoi. Ils étaient pas obligés, hein. Ils auraient pu vraiment rien afficher, alors je pense qu'ils auraient dû le faire concrètement, parce que la framerate elle en prend un coup. Mais le jeu original, c'est le jeu quand il tourne sur la vraie console, est très très fluide, hein. Franchement c'est un bonheur ce jeu. C'est pour ça que si vous avez une PS2 et vous pouvez trouver ce jeu de manière légale, ou peu importe, en tout cas si vous pouvez trouver ce jeu, je pense que vous allez vraiment vous amuser. Je vais même tâter à le refaire en difficile ce jeu. Parce que là, bon, on est en normal, mais... Des courses quand même, ça se passe trop bien. Je trouve un peu trop bien par rapport au niveau de la voiture. Mais des fois un peu moins, donc je me dis bon, moyen ça reste pas mal. Mais le mode difficile doit être vraiment excellent. Ça doit être une bataille constante en fait avec les IA. On va revenir sur Schumacher. On est à mi-course. Je sais pas si je pourrais pas mettre le... On peut le mettre en haut? Ah d'accord, ok. Moi je reste en bas parce qu'en haut ça sert à rien, on perd trop de grip. Il y a trop d'accélération. Ah, j'aurais voulu pouvoir le cancel en fait. On peut normalement choisir le niveau de l'anti-patinage. On peut mettre désactivé. Mais j'ai l'impression qu'en mode normal on peut pas. La différence entre les deux voitures, toujours sentir à l'accélération. Hop, là, attention, l'ivoire. Elle va essayer de caser dans son aileron. Ouais! Ouais, alors je veux pas accélérer vraiment, mais. Ah!
Le problème c'est qu'un tas, ouais, pour re-accélérer vite, c'est mort, hein. J'ai trop d'angle. Oh la vitesse de pointe. De toute façon, ils nous auraient redépassé là, je pense. Hop là, attention. Ah, il a vraiment trop de vitesse, j'aurais dû débraquer un peu les ailerons. Ah, j'aimerais tellement tenter l'extérieur. Ouais! Ça va passer! Oh non, j'y ai cru. Franchement, je pensais que j'y étais. Je voyais rien sur le côté, mais c'est bon, on est passé. C'est fou l'écart qu'on a avec les autres. Hein. Sur la carte, les autres sont à peine arrivés dans le dernier virage. Enfin, dans le dernier virage, le virage juste avant. J'aurais voilà faire ça. Meilleure accélération maintenant. Allez, oui, casse-toi dans son aileron. Oh, je suis à fond. J'arrive même pas à le redépasser, quoi. Si, c'est bon. Aspiration. Oh, ça part dans l'herbe. Et ouais, non, là, j'étais trop surpris dans le virage. J'essaie de croiser, décroiser, enfin d'inverser les trajectoires pour justement à un moment reprendre l'avantage. Mais il a une telle accélération. Je suis à fond derrière son aileron, regardez. Ça passe peut-être, oui. Ouais, c'est bon. Hop hop hop, la glissade, ouais c'est bon. On est passé. Il est juste derrière nous, on est toujours devant. Comment ça passe? Putain. C'est bon, on est resté devant. Ouais, c'est bon, on est passé. Il reste plus qu'à tenir. C'est bon. Bon, ça va, il est loin. Oh putain, il est là. Oh eh putain, ouais, je suis à l'intérieur du coup. Ouais, c'est bon. Oh la vache. Ah bah je pensais que j'étais tranquille, moi, il était tellement loin. Il reste derrière. Ouais, nickel. Allez, dernier tour. Ah ouais, mais il est parti, il était tellement derrière. Je me suis dit, bon, c'est bon, moi, je vais mettre bien l'extérieur pour faire extérieur et extérieur. Et en fait non, il est carrément revenu quoi. Ah
Voilà, c'est bon. Ah, j'ai l'impression que le troisième revient un petit peu. Ah non, c'est un effet d'optique sur le... sur la carte du circuit. Ouais, c'est bon. Là, par contre, il est vraiment, vraiment loin. Ça devrait aller. Ouais, là, là quand même, c'est bon. Là, je pense qu'il me rattrapera pas. Je me méfie. C'est clair que je lui donne l'aspiration quand même encore un peu, mais... Non, non, ça va, ça va, ça va. Ça va passer. Et oui, ça va passer. Oh la vache! J'en ai quasiment oublié l'intérieur du virage. Et c'est une victoire du coup pour le pilote rose. Ben, on dit qu'il remporte le Grand Prix du Canada. Qui augmente son avance au championnat. Alors, résultat final de ce Grand Prix. Et ben, oh là là, mon dieu, qu'est-ce que ça change! Schumacher 2ème, 3ème Barrichello, 4ème Montoya, 5ème Ralf Schumacher, 6ème Dave Coulthard, voilà pour les pilotes dans les points, Raikkonen 7, 8, Introline 9ème, Jenson Button. Où est mon coéquipier? 14ème, c'est correct. Correct, bon voilà, 2 secondes devant, derrière Eddie Irvine. 19, 15, les deux Minardi finissent combien? Alex Hume 17ème. McNish, c'est pas Niski 22, Mika Salo 22. Ah, les Minardi qui sont pas trop mal sortis, je trouve. Donc, au classement, on a maintenant 14 points d'avance sur Michael Schumacher. Alors, au niveau constructeur, bon, là par contre, il n'y a pas trop de lutte, mais on est largement deuxième. Hein. Ça va être bien pour la fin de championnat. On est qu'à la course 8, hein, mine de rien, il reste encore à 8 courses. On a fini la moitié de la saison. Non, je crois qu'il y a peut-être 17 courses en 2002. Enfin, on est quasiment à la mi-saison. Allez, la rose rentre au stand. Nous, on va se retrouver du coup pour la prochaine course. Normalement, c'est... Je sais pas si c'est pas l'Angleterre ou la France. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao.